ce dimanche 28 mars, Michel Drucker fera son grand retour sur France 2 avec Vivement Dimanche après 7 mois de convalescence liée à une opération du cœur le 26 septembre dernier. Cette émission a déjà été enregistrée, au studio Gabriel, mercredi 24 mars, note de la rédaction, et s'est effectuée sans public en raison de la crise sanitaire. Je pensais que je ne reviendrais jamais, avait-il lâché à l'AFP lors de l'enregistrement de son programme. Ça me paraissait impensable tellement j'étais vraiment tombé très bas physiquement et intellectuellement. Toutefois, plusieurs invités, répartis en petits groupes, vont accompagner l'animateur dont plusieurs humoristes, comme Anne Roumanoff, Éric Antoine, Gad Elmaleh ou encore Laurent Gérard. Selon mes cardiologues, j'ai une grande avance sur le programme de rééducation, cela ne fait que 6 mois que j'ai été opéré, alors qu'il faut normalement un an pour se remettre de ce que j'ai eu. Mon retour, je l'ai préparé comme un champion pour une compétition, je suis un rescapé qui va reprendre son métier, a-t-il indiqué fièrement aux Parisiens. À quelques heures de retrouver les téléspectateurs, une photo de Michel Drucker sur le mythique plateau de son émission fétiche a été publiée sur Instagram. Ce dernier apparaît en compagnie de son chien Isia avec une paire de baskets hyper tendance. Le présentateur traverse le temps et sait être à la page. À voir également, Michel Drucker plus en forme que jamais en pleine séance de sport, cette vidéo qui surprend vraiment les internautes. La rédactionnelle lire aussi laisse bloc ADS.